affiché maintenant là. Oui. Ibaka. Quoi? Ça c'est quel langue ça? Kikongo. Mais qui te demande, qui t'a permis de parler le Kikongo ici? Ici on ne parle que le français, tu as compris? Oui. Et qui peut me dire comment ça s'appelle en français? Oui. L'émir. Quoi? L'émir. Très bien, tu peux répéter ce qu'elle a dit? L'émir. Merci, assieds-toi. Savez-moi, je viens de toucher quelque chose, n'est-ce pas? Oui, madame. Comment ça s'appelle en français, ce que je viens de toucher là? Comment ça s'appelle en français? Oui. Très bien, qu'est-ce que la dit? Ça s'appelle comment? Très bien, je vais toucher autre chose que ça. D'accord? Oui, madame. Je viens de toucher quelque chose, n'est-ce pas? Oui, madame. Comment ça s'appelle en français, ce que je viens de toucher maintenant là? Oui. Ibaka. Très bien, tu as compris la question. Mais ça, c'est en Kikongo. Mais j'ai demandé qu'on me le dise en quelle langue? En français. Ah, quelqu'un peut me le dire? Comment ça s'appelle en français? Oui. Le mime. Très bien. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le mime. Très bien. Félicitations. Si la réponse de l'élève est correcte, mais qu'elle est en langue congolaise, cela veut dire que l'élève a quand même bien compris la question. En plus, il a eu le courage de prendre la parole. Le maître ne doit donc pas le décourager. Au contraire, il peut le féliciter et lui demander s'il connaît la réponse en français. S'il ne la connaît pas, le maître peut solliciter les autres élèves. À la fin, il faudra demander à cet élève de bien répéter la réponse.